Yo tout le monde, c'est le guide Minecraft. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à avoir Cent gratuitement dans Super Smash Bros. Ultimate. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. Et on commence tout de suite. Donc, j'ai bien dit gratuitement, complètement gratuitement. Mais pour ça, il vous faut au moins 2 cartouches physiques. Moi, par exemple, j'en ai 9. Donc, il vous faut au moins 2. Donc, en gros, comment on fait? Vous sélectionnez ce que vous avez choisi avec la cartouche physique. Vous appuyez sur le plus. Puis, vous descendez. Et il y a ici, c'est écrit « Recevoir mes points version sur carte uniquement ». Vous cliquez. Ensuite, eux, ils vous demandent... Il vous demande sur quel compte et vous choisissez. Choisissez sur un où vous avez mis votre compte Nintendo. Et donc, vous prenez de 2. Mais attention, vous devez avoir fait ça 12 mois avant. Sinon, ça ne marchera pas. Parce que si vous prenez l'argent 12 mois plus tard, et ben, ça aura expiré. Donc ensuite, comment on fait? On rentre sur le Nintendo eShop avec le compte que vous avez choisi. Et on attend que ça charge. Donc ensuite, vous choisissez ce que vous voulez. Moi par exemple, je vais chercher Super Smash Bros. Espace Sense. Donc vous voyez, c'est écrit comme ça. Puis vous cherchez et regardez, il est juste là. Donc ça, c'est un skin qui est sur le combattant Mi. Donc, ensuite, comment on fait pour l'acheter? Eh bien, c'est très simple. Vous appuyez sur acheter. Donc moi, imaginons, je veux l'acheter d'abord, juste pour vous montrer. Donc, un truc qui n'est pas cher. On va dire ça. Bon, moi, je n'ai pas vraiment l'acheter. Donc, vous faites continuer vers l'écran d'achat. Et vous, obtenir une réduction contre des points. Donc ici, vous aurez récupéré les pièces. Et ces pièces, vous pouvez les transformer en euros. Comme vous l'avez vu juste là. Donc ensuite, vous appuyez suite. Vous aurez les 0,80 euros. Et ensuite, ben, c'est tout. Vous devez attendre que ça se télécharge. Le truc, ça prend moins d'une minute. Et donc ensuite... Vous rentrez dans Super Smash Bros. Donc là, ça a commencé. On appuie. Et là, ils vous disent que vous avez reçu la tête et le skin d'en bas. Donc ensuite, vous entrez ici. Vous venez ici, mais vous vous dites, mais tiens, il est où? Donc là, moi, je l'avais déjà ajouté. Vous dites, mais il est où? Il ne paraît pas ici et tout. C'est normal car il faut faire un truc avant. Donc vous retournez. Et vous entrez. Oups. Allez. Dans coffre. Pardon. Vous entrez dans extra. Donc ensuite, c'est écrit ici combattant Mi. Vous le sélectionnez. Et puis vous faites créer. Donc ensuite, vous choisissez de n'importe qui. Et pour ça, vous devez choisir spécialement tireur. Donc vous voyez, je suis beau ici. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, par exemple, je l'avais appelé Sense. Ensuite, vous devez faire attention. Vous entrez dans couvre-chef et il est juste là. Des fois, vous devez descendre tout en bas, des fois jusqu'à là. Mais bon. Donc voici le casque. Vous descendez un peu et il y aura tenue de Sense.
Et regardez comme il est beau. Comme il est beau. Même si vous changez la couleur, cela ne servirait à rien, vous voyez? Parce que lui, ça aurait choisi la couleur du combattant et pas du skin. Donc ensuite, vous choisissez la voix. Donc on va la garder sans. Et vous faites sauvegarder. Vous appuyez sur le plus. Et aussi, il y a la chanson Megalovania que tout le monde connaît bien sûr. Donc pour ça, vous devez rentrer dans coffre, vous entrez dans banque sonore, série, vous descendez tout en bas dans les trois points, puis vous descendez tout en bas. J'ai aussi le son, regardez. Puis vous n'avez juste qu'à quitter et ça reste. Mais pas dans les matchs, ça reste. C'est juste comme ça dans le menu. Je sais pas si comment on fait pour les matchs. Mais bon, dites-moi en commentaire si quelqu'un sait. Donc. Et regardez. Maintenant, parce que j'ai quitté, ça l'a. Bye bye. Chaque fois, il faut rentrer dans le truc pour recommencer. Donc, regardez. Vous rentrez dans votre mode. Et puis, lui, elle est en bas. Mais vous dites, il est sans skin. C'est normal. Faut d'abord le sélectionner. Puis, il y aura ici le skin sense. Vous le cliquez et hop, il est là. Donc, au combat. Donc, regardez. Hop. Regardez, il lance, ça c'est un petit bouclier. Ça, regardez, c'est une méga attaque. Ça, c'est pour sauter, vous savez. Si vous tombez une fois. Oh non, il y a un chien, il est juste là. Et là, vous pouvez envoyer le feu comme ça. Non, allez. Oh non, je voulais prendre le truc qui nous donne un allié. Mais bon. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous et activer la cloche. Merci pour les 242 abonnés. Et moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bisous.